Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est vendredi le 30 avril. Je suis allée faire un tour au Leclerc, je suis allée faire un tour au Auchan et vous avez les promotions beauté. Donc je vous ai tourné des vidéos que je vous mettrai à la fin. Là, c'est pour vous montrer ce que moi j'ai pris. Et il y a beaucoup, beaucoup de choix, vous avez beaucoup de choses. Après, c'était très difficile de filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde et les gens, ils étaient tous en train de regarder ce que je faisais. Donc c'était un petit peu chiant. Et j'avais surtout peur de me faire dégager du magasin. Donc j'ai filmé un petit peu comme j'ai pu, hein. Donc voilà, après, vous aurez vidéo, photo, hein, ensemble, hein, parce que je ne pouvais pas tout filmer. Il y avait trop, trop de monde, c'était trop le bordel. Tout d'abord, on va commencer par un colis que j'ai reçu. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai reçu un colis de Corinne. Donc, j'ai reçu une lettre. Donc, cette lettre, je ne vais pas vous la montrer. Donc, j'ai reçu une lettre pour mon anniversaire, hein. Et j'ai reçu un colis. Donc, voilà, j'ai reçu un petit colis. Et dedans, il y avait des parfums. Donc, on retrouvait trois parfums. Deux marques en plus, hein. Donc je vais vous montrer. Donc alors on a le Si de Giorgio Armani. Donc franchement je ne connais pas du tout. C'est une eau de parfum en 33 millilitres. Donc je vous montre un joli flacon avec la gravure qui est sur le capuchon. Donc c'est un parfum comme ça. Et alors qu'est-ce qui sent? Donc il sent pas très fort, donc ça va. Parce que moi, les odeurs fortes, ça me donne très très vite, vite mal à la tête. Mais là, franchement, ils sont pas forts. Donc, ça va. Et c'est un spray 33 ml. Donc, voilà. Giorgio Armani. Donc, c'est la première fois que je vais tester un parfum comme ça. Je ne connais pas. Ensuite, on a le Chloé. Donc, le Chloé en eau de parfum. Donc, pareil, c'est en 33 ml. Donc, ça se présente comme ça. Donc, voilà. On a la gravure sur le bouchon. Donc, c'est Chloé comme ça. Donc, pareil, je ne connais pas non plus. On dirait que ça sent un peu. On dirait que ça sent un petit peu le jasmin pour lui. Donc là, on a la gravure sur le bouchon. Pareil, c'est un 33 ml. Et ensuite, on a le Paco Rabanne. On a Lady Million. Ah là là, celui-là, qu'est-ce que je le voulais, celui-là, punaise. Et là, je suis vraiment trop contente parce que je l'ai. Donc on va voir si qu'est-ce qu'il sent, s'il sent bon. Donc là, on a Lady Million de Paco Rabanne sur le bouchon. Ah, celui-là, il sent trop bon. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Ah là là, punaise, il sent trop bon. Ah, celui-là, c'est une tuerie, hein. Donc, franchement, ça sent trop bon. Donc, Corinne, je te remercie de tout mon cœur pour ce cadeau, mais tu aurais dû garder tes sous pour t'acheter des choses pour toi. Mais franchement, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, c'est trop bien. Je te remercie beaucoup. Franchement, c'est cool. C'est super. Donc, c'est la première fois que quelqu'un m'offre un cadeau. Donc, franchement, même de ma famille, hein. Donc franchement, c'est trop gentil. Je te remercie du fond du cœur. Ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Mon petit cadeau qui va rester près de moi. J'ai aussi eu deux jolies cartes postales de Mireille. Donc voilà une première carte postale. Et j'en ai eu une deuxième avec un mot. Donc voilà. Merci beaucoup Mireille pour tes cartes postales. Franchement, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Je vais bien les garder à côté de moi. De jolies cartes postales. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Je te remercie beaucoup. Ensuite, donc on est allé au Auchan. Donc pour les promos beauté. Hein. Et puis je devais aussi chercher des croquettes pour le chat parce qu'il n'y en avait plus. Enfin, c'est pas qu'il n'y en avait plus, c'est qu'il en avait encore, mais j'aime bien en avoir d'avance, hein, parce que voilà, j'aime bien. Alors, tout d'abord, on a pris, donc je vais vous dire les prix, hein. Donc, on a pris un gel douche Corinne de Farbe. Attendez, il y a mon chat qui veut se coucher. Donc, on a pris un gel douche Corinne de Farbe. Donc, je sais que mon père, des fois, il utilise ça, parce que lui aussi, il a des problèmes au niveau de la peau. Là, vous avez 100% végétal apparemment, hein, ou 81% d'origine naturelle. Donc, mon conjoint, il a choisi Monoï. Donc, je vais sentir si ça pue, parce que je n'ai pas senti. Oh purée, comme ça sent le Monoï. Mais alors ça, est-ce qu'il... Alors ça sent trop fort le Monoï, hein, ça sent vraiment le Monoï, ça sent super bon.
Normalement, ce n'est pas une odeur que j'aime bien, mais là, franchement, ça sent bon. Donc, vous avez 500 millilitres. Donc, on a une date de péremption jusqu'en 2023. Alors, celui-là, il a fait 1,12€. Donc là, franchement, vous avez des super promos si vous pouvez, que vous avez un petit peu de sous, allez voir, parce que franchement, c'est trop bien. Donc, 1,12€ pour Corinne de Farm. Ensuite, on a pris celui-là. Donc, ça, c'est un lot de cottage. Donc, c'est un lot de cottage. Donc, moi, j'ai choisi la violette et la praline rose parce que moi, j'adore la violette. Donc, j'adore toutes les vieilles odeurs, hein. Enfin, toutes les vieilles odeurs, on se comprend, hein. Pas les chaussettes périmées qui sont là depuis un mois, mais toutes les odeurs, genre jasmin, muguet, etc. Alors, celui-là, il était au prix de. Il était au prix de 2,57 € au lieu de 4,29 €. Donc, en général, ils sont super chers, ces trucs-là. Donc, moi, j'en achète pas beaucoup. Vous avez deux fois 250 millilitres, hein. Ah, ça sent trop bon. Et vous en avez un au caramel. Il y en a un au caramel comme ça. Il sent trop bon le caramel. Moi, j'adore le caramel. Mais alors, franchement, ça sent super bon, hein. Donc, voilà, ça, je vous ai dit. Ensuite, il y avait l'arbre vert. Donc, moi, j'ai pris un. Oups, j'ai failli me le foutre dans la tronche. Donc, j'ai pris arbre vert. J'ai pris fleur de cerisier. Et vous avez 250 millilitres. Donc, normalement, ils sont bien notés hein, sur les trucs là, sur les sites. Et ça, c'est crème douche du matin tonique à la mandarine et au thé vert. Parce que malgré que j'utilise les DOP, que j'utilise les autres produits, je les utilise quand même. Hein. Je les finirai quand même. Mais comme je vous ai dit, j'ai des plaques de stress sur le corps, j'ai des plaques d'eczéma qui sortent, qui me grattent, qui font très très mal. Donc ça me gratte, ça me pique, ça me brûle, ça me. Voilà, j'ai beau hydrater, j'ai beau mettre tout ce que je veux dessus, ça fait quand même mal. Donc je vais tester ça. De toute façon, ce n'est pas des trucs que je vais racheter tout le temps parce que ça coûte quand même assez cher, les machins-là. Donc, ce n'est pas des choses que j'achèterai tout le temps. Là, c'est exceptionnel. Donc là, crème de douche. Donc, on a les deux pour 2,28 €. Ensuite, il y avait les shampoings. Donc, on avait. Alors, j'espère que c'est bien noté parce que sinon, je suis dans le caca. Donc, alors, on avait des shampoings comme ceci. Donc, ce sont des nutritions aux extraits d'huile de jojoba et de miel. Donc ce sont pour les cheveux secs et abîmés. Donc moi mes cheveux ils sont complètement pourris. Donc voilà, on testera ça. Et vous avez 250 millilitres. J'ai même pas senti les arbres verts s'ils puent. Non, ça sent bon celui-là. Celui-là, ça sent bon le jojoba, la douche, la cerisier. Ça va, ça sent bon. Et le mandarine thé vert. Ah oui, ça sent bon, ça sent le thé vert. Alors, vous aviez d'autres odeurs, hein. Vous aviez plein de choix, hein. Vous pouviez soit choisir autre chose que ça. Hein. Et là, j'ai pris un détox aux extraits de raisin et de thé vert. Donc, c'est purifie et équilibre. Donc, c'est pour cheveux gras. Donc, voilà, moi, j'ai des cheveux gras. Hein. Donc, pareil, là, on avait les deux pour 2,28 €. Ça sent bon. Donc voilà, tester si ça fonctionne ou pas. Hein. On sait rien. Ensuite, on avait des déodorants billes pour mettre sous les bras. Donc moi, en général, il n'y a que le Dove qui fonctionne. Les autres, ils ne fonctionnent pas sur moi. Hein. Franchement, je transpire de trop, ça ne fonctionne pas sur moi. Donc là, j'ai pris Argan et Armanélis. Je ne sais pas c'est quoi, mais voilà, Argan et Armanélis. Donc, ils disent que c'est 24 heures, hypoallergénique, antitrace et sans alcool. Et que vous avez 95% d'origine naturelle. Donc, je passerai tout ça sur les sites pour voir si c'est bien noté. Hein. Vous avez 50 millilitres. Donc, voilà, celui-là. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein, argan et aramélis. Et ensuite, on a arbre à thé. Arbre à thé, n'importe quoi. L'arbre vert, arbre à thé. Arbre à thé. Fleur de cerisier et amaryllis de nouveau. Donc voilà, fleur de cerisier.
Et j'en ai repris deux parce que je transpire beaucoup, hein, donc c'était en promotion. Donc ceux-là, ils étaient tous les deux. Ceux-là, ils étaient à 3,42 € les deux. Donc soit 1,74 € au lieu de 2,90 € pour un. Donc j'ai pris les deux à 2,48 €. Hein, voilà. Et sur le deuxième, j'ai pris un bleu comme ça, donc peau sensible. Qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a comme parfum là-dedans? Bah rien, juste peau sensible. Hein. Donc voilà, anti-trace et sans alcool. Hein, donc celui-là. Et j'ai repris un fleur de cerisier parce que franchement, il sentait quand même assez bon. Donc voilà. Donc pour Auchan, moi, c'est tout ce que j'ai pris. Hein, parce que les crèmes, j'en ai. Et puis voilà, j'ai juste pris un petit peu hein, parce que voilà, après ça coûte cher aussi. Hein. Et après, je suis passée au Leclerc. Donc au Leclerc, j'ai pas pris grand-chose parce que bah, il y avait déjà beaucoup de monde, j'avais pas envie de rester. Et que j'avais plus beaucoup de sous, donc j'y retournerai quand j'aurai de nouveau de l'argent, hein, bien sûr. Donc là, j'ai pris un petit parfum. Donc ça, c'est mon conjoint qui me l'a pris. Donc ça a fait 2,58 €. Donc voilà, c'est violette et macaron. Et il sent super bon. Super bon. Donc violette, hein, parce que moi j'aime bien la violette. J'aime bien les parfums anciens. Mais il sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. Et c'est 110 millilitres. 110 millilitres. Et ça s'appelle les petits plaisirs. Donc je ne connais pas du tout. Mais ça sent super bon. Leclerc, j'ai pas pu filmer dans le Leclerc. Hein. Donc il y avait beaucoup trop de monde. Donc j'essayerai d'y retourner prochainement. Hein. Et ensuite, j'ai pris une eau de bleuet. Donc pareil, pour ça, vous avez plein de goûts. Hein. Ça, vous avez plein d'odeurs. Vous avez noix de coco, vous aviez vanille, vous aviez orange. Vous aviez plein plein de choses, hein, franchement. Mais il n'y avait pas jasmin. Sinon, j'aurais pris. Et là, j'ai pris une eau de bleuet. Alors franchement, je pense que ça doit valoir le coup, hein, parce que je ne connais pas du tout, mais je sais que l'eau de bleuet, c'est très bon. Il y avait de l'eau de jasmin. Je n'ai pas pu la prendre. Donc là, ça c'est 1,99 € au lieu de, je ne sais plus combien, mais c'est 1,99 €. Vous avez 200 millilitres, donc c'est une eau florale de bleuet. Donc les bienfaits, ils disent que ça complète le nettoyage et le démaquillage des paupières. Et ça apporte un soin apaisant et rafraîchissant au contour des yeux. Et moi, vous voyez que mes contours des yeux, là j'ai mis du maquillage, hein, mais mes contours des yeux, c'est une catastrophe. Donc la lotion contient de l'eau florale de bleuet. Donc utilisation, ils disent qu'il faut le mettre sur un coton et qu'on peut se démaquiller avec. Voilà. Ou vous pouvez le laisser poser en compression imbibé de produits et quelques minutes, vous le laissez poser. Donc c'est testé dermatologiquement, c'est testé ophtalmologique. Donc voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est tout. Hein. Donc voilà, une eau de bleuet. Donc je l'ai passé au produit là, au truc au Yuka là, 100%, donc j'essayerai quand même un autre site. Et vous aviez jasmin, vous aviez romarin, vous avez plein d'autres trucs, franchement ça vaut le coup. La prochaine fois, je prendrai celle au jasmin. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ma vidéo. Donc je vais mettre toutes les photos à la fin. Je remercie encore une fois Corinne pour son gentil cadeau. Franchement, merci beaucoup du fond du cœur. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je ne m'attendais même pas à ce que soit ça. Je croyais que c'était une erreur, que quelqu'un s'était trompé, tellement que j'étais étonnée. Donc merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Et puis ben nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut! Dites-moi si vous avez profité des beautés, des offres beauté et qu'est-ce que vous vous êtes acheté. Donc voilà, dites-moi ce que vous êtes acheté, si vous êtes acheté des choses ou pas, si vous attendez le mois prochain pour pouvoir vous prendre des choses. Et ben nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites bien attention et à bientôt. Salut!